Léo Messi champion. Moi, un pile monde qui m'a réagi. Et Messi champion, Messi fait doubler, Inter Miami gagne 3-2. Messi font superbe goal coup franc. Et superbe goal coup franc, Suarez font goal doux. Et gagné équipe Columbus Crew qui fait 2 goals lui-même. Messi fait 2 goals et puis Suarez son goal, ça fait 3-2. Alors, c'est me d'avoir parlé avec... alors, Inter Miami qualifié pour Coupe du Monde des Clubs. Inter Miami qualifié pour Coupe du Monde des Clubs. Nous, on va parler de ça tout à l'heure. Alors, Anglais Mbassou, moi, il faut me dire ça. Supporters Shield, c'est un trophée que je décerne chaque année à l'équipe qui joue plus de points dans la saison régulière Major League Soccer. OK? Et son récompense que la Ligue ne va pas reconnaître, mais c'est supporters qui attribuaient et titre ça. Il créé en 1999, il était récompensé Los Angeles Galaxy pour saison 98 là. Et il était attribué le tout pour 96 et 97. Alors, c'est pas en finale que Messi a joué hier. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Victoire Inter Miami hier là, il fait dans MLS là. OK, il fait dans MLS là. Inter Miami, c'est l'équipe qui gagne plus points dans toute équipe qui n'a manqué de NBA, oui. Dans toute équipe qui n'a MLS, hein, manqué de NBA. Et MLS a gagné, si je ne me trompe pas, 29 équipes. OK? MLS a gagné 29 équipes. Donc, saison régulière, l'embral fini, c'est Inter Miami qui a devant. Inter Miami, après 32 matchs, il gagne 68 points. Ça veut dire Los Angeles Galaxy, qui gagne 61 points après 32 matchs là, les papes qui rejoignent Inter Miami. Inter Miami a 7 points en plus. Ce n'est pas en finale que Messi a joué hier. Okay? Donc, grâce à victoire, Inter Miami assuré que l'a fini devant la MLS. L'a fini, l'a fait plus de points dans la saison régulière dans la MLS. Il y a bon un titre qui est le Supporters Shield. Il y a bon un trophée pour ça. Bon, et moi, je vais vérifier là. Ils mettent dans le palmarès Messi. Yo mette le palmarès Messi vient gagner 46 trophées. Messi vient gagner 46 trophées. Messi gagne 35 trophées avec Barcelone, OK? Et il remporte Liga 10 fois, il remporte Liga 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. Il est vice-champion en 2007, en 2012, 2014, 2017, 2020. OK? Et à Barcelone seulement, Messi prend 35 titres. Il prend 10 titres Liga. Il prend 7 Coupes du Roi. 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021. Les finalistes en 2011, 2014 et 2019. Super Coupe d'Espagne, Messi gagne 8. Les champions en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018. Les finalistes en 2012, 2015, 2017 et 2021. Messi gagne 4 Ligues des Champions avec Barcelone. Il remporte la Ligue des Champions en 2006, 2009, 2011, 2015. Il remporte 3 Super Coupes de l'UEFA, 2009, 2011, 2015. Il remporte 3 Coupes du Monde des Clubs en 2009, 2011, 2015. OK? Quand il y a un titre, il remporte avec Paris Saint-Germain. Il prend titre championnat de France en 2022 et en 2023. Il prend trophée des champions en 2022. Il prend 3 titres à Paris Saint-Germain. Il prend 2 titres avec Inter Miami. Supporters Shield que le prend en 2024. Là. Et puis Leagues Cup que le prend en 2023. Dans la Coupe des États-Unis, elle finit finaliste en 2023. Et ça, c'est palmarès, c'est collectif Lionel Andrés Messi. Inter Miami qualifié pour Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui va le faire en 2025. Là. Inter Miami qualifié pour lui. Ce n'est pas le cas pour le FC Barcelone. Coupe du Monde des clubs de la FIFA, c'est 21e édition Coupe du Monde des clubs, ça, mais il a changé de format. Et compétition a changé de format, mais elle n'a pas changé, il va changer de nom. OK? Longtemps, debout champion, Ligue des champions, ou champion Copa Libertadores ou qualifié directement pour demi-finale. C'est là qu'on va le faire qu'on y a. La fête chaque 4 ans. OK? La fête chaque 4 ans. Et puis, vainqueur. Alors, la fête 8 poules de 4. OK? Et il y a utilisé, il y a gardé si vous êtes capable de faire une troisième fenêtre de mercato. Troisième fenêtre de mercato, ça, d'après Marca, l'a commencé 1er juin pour finir 10 juin 2025. Mais c'est tout club dans le monde qui est capable de recruter de joueurs parce que ils estimé pour Coupe du Monde des Clubs ça, effectif à privé très fatigué. Donc c'est normal pour yo ba opportunité pour gagner en l'autre compétition. Qu'on a tenant du titre c'est Manchester United, c'est Manchester City pardon. Et parce que c'est lui-même qui était champion Ligue des Champions en 2023, il est allé en Coupe du Monde des Clubs 2023 et Rodri est fini meilleur joueur et compétition ça. Donc, compétition a réuni 32 équipes, 12 qui sortent en Europe, UEFA, 6 qui sortent dans Conmebol, 4 qui sortent dans Asie, 4 qui sortent en Afrique, et 4 qui sortent dans CONCACAF, et Gagnon qui sortent dans OFC, avec ça, pays Rotland qui bail club qui qualifie. Donc, Confédération qui gagne plus que 4 places, UEFA avec Conmebol, 4 derniers vainqueurs principales compétitions interclubs. Là, ça veut dire 4 derniers vainqueurs Copa Libertadores, 4 derniers vainqueurs et UEFA, Ligue des Champions, il a qualifié directement. Et l'autre équipe qui a sélectionné, c'est placé dans le classement club confédération dans 4 dernières années. Ça veut dire qui ça? Il y a 4 équipes qui remportent Ligue des Champions qui qualifient directement. Sous pour 4 dernières années, qui est-ce qui est champion? Gen Real qui est champion 2 fois. Real champion 2023, Real champion 2024, Real champion 2022. OK? C'est ça? Real champion 2 fois. City champion 1 fois. Chelsea champion 1 fois. Donc, il y a 3 équipes là qui ont une place. Et puis, sous 4 dernières années, il y a des résultats club yo fait dans la compétition européenne de club. Déparlez-nous de ça, déparlez-nous de indice UEFA déjà. Babal retourner sur lui. Yo ka des performances sous 4 dernières années dans la compétition interclub. Et puis chaque lot gagne yo bo 2 points, chaque lot fait match nul yo bo 1 point, chaque lot perdu ou fait 0 point. OK? Kouna dans 4 dernières années yo, 8 premiers dans classement ça additionné avec 4 champions Ligue des Champions yo, ça bo 12 équipes qui pourra jouer Coupe du Monde des Clubs. Ça m'a dit très important. Hein? Mais qui j'ai rejoint 12 équipes qui pourra jouer Coupe du Monde des Clubs pour UEFA. Kounia là, Barcelone, malheureusement pour lui, il n'est pas parmi. Alors, il n'est pas parmi. Et Mounzaïo. On nous garde le classement et UEFA sous 4 dernières années. Manchester City fait 34 victoires, 10 nuls, 4 défaites. Il bat 78 goals et il prend 45. Il fait un total de 123 points. OK? Et c'est ça, 123 points. C'est ça, moi, remarqué dans la grille qui est devant nous là. Real Madrid en deuxième position. Un club qui est qualifié, OK? Pour UEFA, qui a représenté UEFA dans la Coupe du Monde des Clubs. Là. Real Madrid deuxième. 32 victoires, 9 nuls, 9 défaites. Et Real Madrid gagne 119 points, c'est ça? Bayern, avec Paris Saint-Germain, Bayern 3e, Paris Saint-Germain 4e. Bayern gagne 108 points, Paris Saint-Germain 4e, gagne 85 points sur 4 dernières années. Okay? Chelsea 5e avec 79 points. Borussia Dortmund 6e avec 79 points. Inter 7e avec 76 points. 8e, c'est Liverpool avec 76 points. 9e, c'est FC Porto avec 68 points. 10e, c'est Atlético de Madrid avec 67 points. 11e, c'est Leipzig, 62 points. 12e, c'est Barcelone avec 61 points. Benfica, 52 points. Benfica, Juventus, 14e. Et puis Salzbourg, 18e. Donc, et ces clubs ça qui qualifié et pour à jouer Coupe du Monde des clubs là. Alors on nous bail qui peut qualifier Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions 2021, les qualifiés. Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 2022 et 2024, les qualifiés. City, vainqueur de la Ligue des Champions 2023, les qualifiés. Bayern, premier dans le classement Europe sous 4 dernières années, et les qualifiés. Gagné Paris Saint-Germain qui deuxième dans le classement Europe sous 4 dernières années, les qualifiés. Inter Milan, troisième dans le classement Europe sous 4 dernières années, les qualifiés. Borussia Dortmund, quatrième dans le classement Europe sous 4 dernières années. FC Porto, cinquième sous classement Europe sous 4 dernières années. Atlético de Madrid, 6e sous classement Europe 4 dernières années. Benfica, 7e. Juventus, 8e. Salzbourg, 9e. Ça veut dire que Barcelone n'est pas qualifié pour aller jouer compétition. Ça. Toujours Coupe du Monde des Clubs, dans la zone Amérique du Sud. Là. Palmeiras qualifié parce qu'il a remporté Copa Libertadores 2021. Flamengo qualifié parce qu'il a remporté Copa Libertadores 2022. Fluminense qualifié parce qu'il a remporté Copa Libertadores 2023. Et donc, équipe qui voit le champion Copa Libertadores 2024 dans la qualifiée. Nous pouvons voir qui est. River Plate, premier dans le classement Amérique du Sud sous 4 dernières années. Boca Juniors, deuxième dans le classement Amérique du Sud sous 4 dernières années. On regarde des zones Asia. Nous avons demandé à Al-Nassr Paladin. Al-Hilal, vainqueur Ligue des Champions 2021 dans la zone Asia. Wa Red Diamonds, vainqueur Ligue des Champions 2022. Al-Aïn, vainqueur Ligue des Champions 2023-2024. Et puis Oussaïn, premier dans le classement Asie sur 4 dernières années. Donc Al-Nassr, pas qualifié. Et puis, dans la zone CONCACAF, équipe qui est qualifiée. Et il y a Monterrey qui est qualifié parce que le champion Ligue des Champions de la CONCACAF 2021. Et Seattle Sounders qualifié parce que le champion Ligue des Champions de la CONCACAF 2022. Club Leon qualifié parce qu'il remporté Ligue des Champions 2023 CONCACAF. Pachuca qualifié parce qu'il remporté Coupe des Champions